J'ai trop le seum, je peux pas faire le teachers, mais j'aurais voulu apprendre des trucs. Bah déjà on apprend pas trop des masses au teachers, on se fait surtout bien saucer. Et effectivement en plus il faut être étudiant au campus les amis. Ah vache, je suis tout petit ici. Ah salut. Comment ça? Ouais c'est bien. Bonjour, c'est trop bien le teachers. Salut. Ouais le teachers ça va être trop bien et tout. On va ça va ensemble et tout. Voilà, là c'est bon, non? Ah, le mégalomaniac. Hey, les gars, bah on va regarder la teachers. Hey. Remember it. Bon, on va voir qui. Artaï. Ok. Bon, ça drone déjà du côté d'Artaï, c'est pas trop mal. Va sur Telo, c'est un semi-pro. Ouais, d'accord, ok, Snizer. Mec, je vais t'expliquer un truc, mon loulou. À partir du moment où t'as FN dans ton pseudo, en règle générale, chez le gaming, ça veut dire Fortnite, tu vois. À peu près toutes les considérations que tu pourrais avoir sur Rainbow Six, ah, je les roule en boule et me les carre dans la... T'as commencé le gaming avec Fortnite, tu vois. Ça fait de toi, déjà, à mon avis... Tu vois ce que je veux dire? Pas le plus smart, quoi. Donc non, je veux pas aller le voir. Ah ouais, je vous avais dit que ça allait être salé, les mecs. Et le drone? S'il se fait défoncer, il prend 2 sur 20. Je le vire. Je le vire du campus. Ok, la décale est pas dégueulasse. Hein. Oh, oh là 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 là. Il s'est kéblo. Quelle note là pour Artaïk là. Il a droné, il a fait le tour, il a pris son temps, il s'est pas inséré comme un gogolito, etc. Mais une fois après, quand il a commencé à sentir l'odeur de l'os là... Il s'est mis en mode Labrador, je vais tout droit et tout machin. Zéro situational awareness. Oh c'est chaud. Ok, vous avez décidé de mettre la note de 4. Bon, ouais j'ai mis 3. Faut pas tergiverser sur la qualité de son intervention qui était un peu nulle quand même. C'était ok, c'était ok. C'est exactement ce qu'on attend d'un joueur gold. Voilà. What the fuck? Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il coupe des... Arrête de bouger dans tous les sens, frérot. Tu vas me donner le mal de mer. Arrêtez de faire des trucs. Arrêtez de vous prendre pour les... Arrête de bouger. Mais le mec, mais c'est Cyril Hanouna ou quoi? Il est sous... Ouais, d'accord, ok. Ok, ouais, vas-y. Transition, bam, bam. 0 fois, le crosshair était au bon endroit. Tac, t'as vu, j'étais... Franchement... Frérot, droite, gauche, haut, bas... Ah ça c'est propre. Voilà. Oh. What? La VAR là quand même. C'est chelou ce move là. Bon, il a le charme de la Salty Academy, ce qui est pas mal déjà, ça lui donne un point. C'est pas trop mal. Alors, c'est chelou, comment on voit le X-Ray? Non, en fait, y a rien quoi. Va voir Telo, STP, STP. Sneaker, écoute, tu te subs à la chaîne et après, peut-être que tu pourras demander des trucs, d'accord? Ici, c'est comme ça, ok? Les gens qui payent, eh bien, je leur rends, en fait, tu vois? C'est, hey, c'est, donne et Dieu te le rendra. Ah, c'est moi. Quelle note du coup pour Neiza là qui nous a fait un truc un peu pourri au début, qui confond un peu style et efficacité. Je sais à sa façon de jouer qu'il a pas plus de 23 ans. J'en suis certain. Vous avez mis combien? Ah ouais, vous êtes des fils de p*** en fait. Vous avez mis 2, mais j'ai mis 5,5 moi. Ah, faut pas déconner quand même. Il confond un peu vitesse et précipitation, mais c'est quand même pas, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ok, Craze, il a vu 3 vidéos de Bikini Body et de. Oh, tu dis ouais, franchement regardez, je vais me mettre là. Bon, il regarde les cams, il regarde les cams, ça va. Il y a quelqu'un qui veut expliquer à Craze qu'il faut cliquer sur les ennemis hein, quand on les voit ou pas hein? Non, je sais pas. Enfin, t'as le temps de réaction quoi, et après on dit ouais, franchement, 6-4, tu trouves pas que tu perds un peu de réflexe quand tu vieillis? quand je vois les jeunes là, je me dis ah non, c'est bon en fait. Il est en clutch. Oula, il commence à. Il sait pas où se mettre. Ça va, le placement est pas trop mauvais. En revanche, le laser, bah, quelqu'un va le voir à un moment et tu vas dire mais comment il savait que j'étais là? Oh là là! Oh là là, Craze! Oh là 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 là! Mais non! Mais à partir de quel moment? Mais Excelsior derrière, il fait quoi en revanche là? Il est en train de faire des kills, les doux? C'est
Je crois que Krez, il a pas la lumière à tous les étages. Bon, il avait mis Aruni à des endroits à peu près approximatifs. Bon, ça passe en soi, tu vois. Les Aruni passent, il a dû mettre des fils barbelés ou peut-être une caméra blindée, je sais pas. Faut que t'arrêtes de dépenser de l'argent dans les skins. Prends plutôt un coaching. Ah, vous avez mis un, mais vous êtes fils de... J'ai mis 3 quand même, il avait mis des Aruni les mecs, il a pris Aruni. Enfin, comme s'il avait pris Vigile pour faire sa merde. On va pas être en phase ce soir. Si t'es plus fort avec les skins que tu achètes sur Code. Oui d'accord ok, mais on est en train de parler de jeux vidéo ici. On va pas parler de Code. Autrement on commence à se parler de tout tu vois, d'Adibou, de... Code c'est quand même un jeu où tout est inventé pour faire en sorte que les gens qui sont nuls au FPS aient l'impression d'être bons. Il est peut-être temps que vous commenciez à comprendre que bah du coup t'as fait de ce jeu un jeu pas compétitif du tout. Je veux pas me la péter, hein, mais là j'ai fait un sans faute avec tes choix Six. Ouais mais tu te la pète un peu quand même. Reste humble comme moi s'il te plaît. On va aller voir Monster X les mecs. Je sens qu'il va faire un gros round. Mais qu'est-ce qu'il fait ce fils de pute? Il joue avec un joystick! Oh là là! Oh là 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 là! Y'a rien qui va! Tu vas pas le regarder pendant 7 heures, mon gars! T'es pas spotter! Tango Tango Charlie, on a une cible à 25 mètres devant moi là qui arrête pas de bouger. Et là, je tire de façon approximative. Tir de suppression! On m'informe qu'il joue avec une manette de Xbox 360. Bon, au moins, il a pris Oza. En règle générale, les gens qui prennent Oza direct. Non, mais moi, j'aime bien jouer Oza! C'est les gens qui aiment bien Rainbow Six, mais qui sentent un peu la croquette. Bon, il a fait un kill. Non, mais moi, ça me dérange pas de jouer montagne. ouais, non. Tu peux pas prendre Yana, s'il te plaît? Non, franchement, Yana, je suis pas un. Moi, je suis un joueur support, comme 6-4. Non, frérot, t'es pas un joueur support, t'es nul. Pardon, je suis odieux parfois. Allez, c'est parti. Hein. Combien vous mettez du coup à Monster X? Bah, il a mis Oza, il l'a mis au bon endroit, il a spoté, etc. Les mécaniques ne sont pas très bonnes. On sent que c'est un joueur qui a envie de faire bien les choses et il s'applique, il respecte le jeu. En revanche, Rainbow Six, c'est un jeu où plus ça va, plus les mécaniques prennent le dessus par rapport à tous les autres éléments du jeu. Donc il faut absolument bien gérer son aim et surtout les mécaniques de déplacement clavier. Et là, on sent bien que c'est pas maîtrisé. Et donc du coup, vous avez mis 4. Ok, bon, j'ai mis 3. On est à peu près d'accord. J'avais une question sur ton site de coaching. Il y a écrit PC uniquement. Il y a zéro possibilité de faire un petit virage sur PS5, please. Il a donné 23 subs aujourd'hui. C'est pour ça que je réfléchis. C'est pour ça que je réfléchis, ok? Non. Non, les amis, vous pouvez pas me demander ça. C'est trop compliqué pour moi. Est-ce que vous demanderiez à un mec comme Pep Guardiola... Je voulais faire une blague horrible qui passera jamais sur Twitch. Allez Six, tu en aiderais plus d'un, STP. Mais j'ai pas envie de vous aider les amis, ok? Je suis un coach de foot professionnel. Je vais pas faire des débutants. Oh fuck. Oui, voilà, c'est comme si Guardiola coachait des joueurs de NBA. C'est exactement ça auquel je pensais. Ouh là là. Allez, c'est parti. On n'a pas regardé ce qu'il a fait d'Edwis. Oh là. Oh là. Oh là. On va rester sur lui. On a du potentiel. Ah donc, si un joueur bronze PC vient te voir, tu le coaches pas. Bronze PC, les gars, ça veut déjà dire qu'il est au-dessus de champion PS5, quoi. C'est une suite, en fait. Champion PS5, bronze PC. Tu vois, c'est comme le plus haut rank de League of Legends, en dessous, hop, tu passes au-dessus, et t'as le plus bas rank de League of Legends en Corée du Sud. C'est pareil, tu vois ou pas? C'est important de voir la nuance quand même. Non, tu peux pas dire ça. Mais pourquoi est-ce que vous voulez vous améliorer sur console, les mecs? Il est là le truc. Vous avez pas de compétition sur console, les mecs. C'est cher, un PC. Mais arrêtez! On a déjà fait le calcul et tout. Bon, si vous êtes encore sur votre PS4, ah bon, ok les frérots, mais bon, après, j'y peux rien. Mais si vous êtes sur une PS5, honnêtement, au bout de 2 ans, votre PC, il est amorti. Ah, les mecs, vous me faites marrer. Ouais, mais franchement, le PS5, ouais, mais l'écran qui va avec, la PS5, vous prenez pour des jambons quoi. Ah, dites plutôt que vous avez la flemme, tu vois. Vous avez la flemme d'avoir un bureau. Ok, là je comprends. Parce qu'il faut une pièce pour le PC. Ça, je veux bien l'entendre, tu vois. Et dites-vous plutôt que, bon, peut-être que madame, monsieur qui porte la culotte, voudrait pas que vous ayez un bureau. C'est pour ça. On est arrivé à cette conclusion que la PS5 est un rassemblement de jeunes hommes et masculins. Make sense?
Je veux dire, réfléchissez bien. Non, chérie, franchement, il y a le petit, il y a les couches à payer. Non, et de toute façon, tu vas le mettre où ton bureau? Tu vas le mettre où? Eh ben voilà, eh ben voilà. Eh ben tu fais comme Stéphane. Eh ben tu fais comme Stéphane. Eh ben tu joues sur un grand écran. Eh ben je m'en fous. Non, chérie, s'il te plaît. Rainbow Six sur PC, c'est mieux. Non. Ah, Deadwiz. Ah, Deadwiz, il est con comme un cactus, le mec. Je joue à ma PS5 sur un bureau avec un 244 Hz. What? Alors pourquoi tu viens pas sur PC, mec? J'ai jamais compris les mecs comme toi. Les mecs, ils ont tout le setup pour avoir un PC et ils sont sur console. Avoue ta peur du clavier souris. J'y connais rien. Point d'exclamation flow up, mec. Revends ta console. Je vais prêcher. Revends ta console, TN. Je te promets, TN. Si tu revends ta console, je te coacherai sur PC. Ok, merde, du coup, on n'a pas vu ce qui s'est passé. 5-2. Font quoi les autres? Oh, en plus, en défense. Souvent, on a un peu la flemme. Donc, je vois à peu près la personne que j'ai un peu en face de moi. Mais encore mieux, renseigne-toi sur comment faire un PC et monte-le toi-même, la vérité. Mais bon, honnêtement, si on peut monter soi-même son PC, il n'y a rien de mieux niveau prix. Eh ben, ça, c'est une erreur maintenant. On va aller voir Taylor, tiens. Parce que eux, parfois, peuvent négocier des trucs en disant hey, « Eh les gars, on va vous prendre sur toute la France, on va vous prendre 16 000 processeurs. » Bien sûr qu'ils vont négocier des prix que tu pourras pas négocier. Donc attention parfois, je dis pas que c'est toujours faux, je dis pas que c'est toujours vrai, mais attention parfois avec le mythe qui était vrai par le passé, de dire si on le monte soi-même. What the fuck? C'est qui lui? Ouais, c'est ça. En plus, il a le charme de la Salty Academy, c'est un mec bien. Bon, ses chez Copic sont pas au point. Mais on sent la volonté d'être bon lui. Du coup, Taylor, qu'est-ce qu'il a collé là avec son vigile? Bonne occupation du top, il a fait perdre du temps. Bon crosshair placement, on sent qu'il a envie d'être sérieux. J'aime bien. Et la tête est incroyable. 7 j'avais mis moi. Vous avez mis 8, vous êtes bon. Si vous jouez à tous les jeux, prenez les deux. Vous aurez moins de soucis sur PS avec les jeux solo. Majorité des jeux. Non mais Kawid, l'autre. Excuse-nous Elon Musk. Il y a un souci d'argent à un moment, tu vois. Franchement, si vous avez un problème, prenez les deux. Vous hésitez entre essence et diesel? Moi j'ai une essence, une diesel. Franchement, essence pour les petits trajets et diesel pour les grands trajets. Ah, ça sent la fin là. Aïe aïe aïe. Oula, ça cheat. Mec, y'a quelqu'un qui te drone? Wazen, qu'est-ce que tu fais à nous montrer la déco, fils de p... Personne te drone. T'es en full face check, en fait, là. Hop là, on t'a vu sur la cam. Ah oui, y'a une cam. Hop là, 3, 2, 1, t'es mort. What? Oh non, hey Wazen. Ouais, là-dessus, non, mais faut pas prendre Yana, là. Arrêtez de prendre Yana, les mecs. On aurait dit Nano. Ah ouais, j'avoue. GG, vous êtes des monstres. Non, je déconne, vous avez été quand même relativement nul à chier. Wazen, c'était quoi, ça, la dernière round, là? Full face check, là. Il fait de la merde. Tu te mettrais quoi comme note? Franchement, 0, hein. Je peux pas mettre 0, mais je t'ai mis 3. Ah bah. Et le chat t'a mis 3 aussi. Merci. Voilà. L'homme qui découvrait OBS. Ah, aidez-moi! Ah, je m'abuse comme un enfant.